Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le troisième DLC et du coup le dernier, on arrive à la fin du jeu de Little Nightmare et on se retrouve encore une fois avec le Fugger, donc le petit garçon. Comparé à l'histoire originale, enfin l'histoire classique où on contrôlait Six avec son petit manteau jaune, donc on perd pas trop de temps les amis, on est déjà parti. Ok, c'est bon. Bon, les débuts sont toujours assez classiques. Ah, on a un Homs. Alors, c'est vrai que dans le dernier épisode, j'appelais ça les gnomes. Mais c'est vrai que ça s'appelle les Homs. J'avais totalement oublié. Où est-ce qu'ils sont partis? What? D'accord, ça commence bien. On voit déjà deux Homs se barrer. On les a déjà perdus de vue. Hop. Alors, vous le verrez sûrement dans le titre. Mais ce DLC s'appelle The Residence. Ok, c'est magnifique comme endroit, je trouve. Petite bibliothèque, petite cheminée. Enfin, grande cheminée pour le coup. Oh! Alors ça, il me semble que c'est la fameuse fille qu'on a vue dans l'épisode précédent, dans l'ascenseur, et que du coup, pour ceux qui ont suivi l'histoire classique de Little Nightmare, c'est la méchante qu'on tue à la fin, qu'on bouffe même d'ailleurs avec Six. Ça a l'air d'être un peu bizarre comme endroit. Il y a des cul-de-sac. D'accord. Des tableaux. Beaucoup de... Alors par contre, ce serait bien de ranger ta bibliothèque, meuf, mais ça c'est quand même vachement au bordel. Y'a rien au-dessus là? Oh, si, attendez, je crois voir quelque chose. J'ai cru voir une bouteille. Là, on voit pas grand-chose. Ah, c'est mieux. Voilà. Là, j'ai vu une bouteille. Alors, pour ceux qui se souviennent, les fameuses bouteilles avec le Fugger, c'est les collectibles. Hop. Comparé... Oh, non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. À moins qu'il faut la casser. Ah, d'accord. Bah, fallait la casser, on dirait. Pourtant, j'étais persuadé qu'on devait pas les casser. Si ? Ou alors c'était pas un collectible? Je sais pas, c'est bizarre. Normalement de base, il les casse pas, lui je crois qu'il sort juste un espèce de papier. Bon, c'est pas si grave. On n'est pas là forcément pour les collectibles, on est un peu plus là pour l'histoire. Oh! Ok, j'aime pas ça du tout. Excusez-moi madame, vous ne me voyez pas, je suis dans l'obscurité totale. Vous êtes occupé à... Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle surveille ses poupées. Bon, les poupées très 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 étranges. Ok, c'est bon. Normalement... J'ai un petit peu peur à chaque fois que je me mets à accélérer. Wow! Ah oui! Ah, c'est pas un petit manoir! Oh, un homme! Vas-y, viens, 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 viens. Il est parti à gauche. Mais... Il est là? C'est quoi ce bordel? Ça fait deux fois que les noms disparaissent alors que ça fait même pas 5 minutes de vidéo. Wow. Quelle statuette. Oh, il y a des formes là. Oh. Un triangle. Rond. Ok, carré. Des portes totalement scellées. On peut pas les pousser. On peut rien faire du tout. D'accord, ok. Donc là, on a forcément des trucs à récupérer. Mais alors quoi? J'en ai absolument aucune idée. C'est quoi ça? Ah. On dirait une espèce de... Comme les maps mondes. Wow, 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 wow. Ok. Mais c'est avec un œil. Alors l'œil, je sais pas un peu... Enfin, je sais même pas du tout de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on en a vu pas mal avec Six. Alors, je visite un peu. Là on a visité le rez-de-chaussée. Je vais visiter le premier étage. Là, il y a une échelle. Ah! Ah, on peut la bouger! Pourquoi? Ah, d'accord, c'est que ça bloque en haut. Ok. Ouais, mais on verra ça tout à l'heure. J'ai envie de faire étage par étage, histoire de rien rater. Donc là, on a pas grand-chose. Ah, on a une pièce. On va aller jusqu'au bout. Là, il n'y a pas grand-chose. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a dans la première pièce. Oh! Une statue! Oh! On dirait que l'œil il pleure.
Ça, par contre, c'est pas des vraies larmes, hein. Faut consulter un médecin quand même, parce que là, c'est très bizarre. Alors, est-ce qu'on peut la prendre? Oh oui! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est fermée? Pourquoi? Oh, le plafond. C'est bon? Oh. Ok, bah je suppose que ça doit être ça. Je vous jouais une forme carrée, donc je suppose que ça doit être ça qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut? Vas-y, cours. D'accord, ok. On n'a pas le temps. Allez, vas-y, vas-y, pose ça là. Voilà. Ok. On peut pas la récupérer pour le moment, on dirait. Ou alors, il faudrait une caisse qui bloque peut-être la porte. Bon, on va essayer de voir. On va continuer à visiter, parce qu'apparemment, cette statuette, on ne peut pas la récupérer pour le moment. Est-ce qu'il y a des trucs? Ah, par contre, ce qui est quand même étrange, c'est que depuis le début, on a croisé pas mal de tableaux. Oh, par contre, ce qui est en haut a l'air d'être assez stylé. On a croisé pas mal de tableaux, de statuettes à l'effigie de la femme, là. Alors que de base, si je me souviens bien, elle se regarde que dans des espèces de miroirs cassés. Donc signe qu'elle n'aime pas forcément voir son reflet. C'est très bizarre. Oh. Grande bibliothèque là. Y a de quoi lire. Alors attendez. Il y a une échelle là. Est-ce qu'on peut monter? Non, d'accord. Donc on peut la bouger, d'accord, que de ce côté-là. Bon, j'ai vraiment envie d'essayer d'explorer un peu tout, surtout que là, j'aime beaucoup ce manoir. Bon, j'avoue qu'il est un peu pas étrange, mais c'est vrai que en vrai, dans un manoir comme ça, je pense que tu te chies littéralement dessus. Surtout quand tu sais que t'as une bonne femme prête à te tuer juste à côté. Ok. Ah, on peut prendre. Oh, attendez. Un triangle avec un œil dessus. Bon, il est forcément utile. Forcément. D'accord, on peut rien faire. Là, je pense que c'est trop loin. Est-ce qu'on n'essaierait pas de s'accrocher à ça? J'ai envie d'essayer. Non. Ouf. Ok, eh, on a vraiment de la chance. Parce que pour ceux qui se souviennent, avec Six, dès qu'on tombait de cette hauteur-là, on crevait. Hein. Très clairement, on était mort. Est-ce que... Oh, attendez, je vais essayer de me mettre dans la lumière. Ok. Il y a forcément quelque chose à faire. Oh, attendez, là il manque un livre. Il manque des livres, ouais, mais on n'a pas l'habitude de mettre. Enfin, on n'a vraiment pas connu la mécanique des livres. Oh, attendez. Des traces noires. C'est signe que ça bouge, non? Oh, attendez. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais attendez. Je crois avoir compris. Est-ce que... Oh! J'ai entendu un bruit. D'accord, ok, ça a marché. Donc là, ça voudrait dire que on peut... Non, d'accord, ok. Donc il y a forcément d'autres livres à mettre. Là, il y en a un là. Donc je suis sûr que c'est forcément celui-là. Celui-là qu'on a récupéré en haut, on l'a obligatoirement pris pas pour rien. Ok. Ah, mais attendez. C'est ultra simple, en fait. Tous les livres étaient à disposition. Ah, là, par contre, j'ai entendu un bruit. Ah, parfait. Hop. Alors, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que c'est vraiment, comment dire, adapté pour tout le monde. Là, par exemple, on avait l'indication du fait qu'il y avait des livres qui manquaient. Il y avait vraiment le dessin sur les livres. Et surtout, la trace noire. À chaque fois qu'il y a des traces noires sur quelque chose... Oh, attendez. C'est pas... Mais attendez, mais c'est pas possible. C'est la statuette carrée, ça. What? Bah, par contre, elle fait un bruit bizarre, hein. Attendez. C'est pas possible, c'est pas la vraie statuette. À moins que... Ok, c'est bon, j'ai compris. D'accord. C'est bon, je viens de comprendre. Heureusement, en fait, qu'on a découvert, comment dire, qu'on a découvert assez rapidement la première statuette. Enfin, je pense que c'est la première, à moins qu'on en a loupé une en bas. Pourquoi ça sonne?
Il est quelle heure? Minuit? Non, même pas. J'ai un petit peu peur en fait là, parce que du fait d'avoir entendu ça. Est-ce que la fille va pas venir? J'espère pas. Alors normalement, si ce que je pense est vrai. Ah, je pense que ouais. Attention. Verdict. Eh ben non, c'est pas la bonne. Tellement con cet œil. Allez hop. Première statuette récupérée. Ok, donc ça voudrait dire que on a possiblement deux statuettes avec un socle rond et un socle triangulaire à récupérer. Alors par contre, va savoir où ils sont. Parce que là, très clairement, on n'a qu'une seule pièce au rez-de-chaussée, c'est celle-là. Vous imaginez le con. Tiens, c'est ici que ça se met. Eh ben non, ça rentre pas. Allez hop. Mais... je suis totalement con. Mais c'est vrai que les deux autres, on les a pas encore croisés. Alors c'est vrai que, attendez, on n'a pas encore checké le dessus, tout en haut. Donc le deuxième étage. On va aller voir ça tout de suite. Allez, oui. Hop. Parfait. Allez, grimpe. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Mais non, mais... grimpe. Voilà. Alors, ça a l'air d'être assez spécial en haut. Je sais pas ce que c'est, cette machine. Déjà, voilà. J'ai déjà vu un truc. Là, on a un cadenas. Donc, on va avoir une clé à trouver. Alors, est-ce qu'on peut l'atteindre d'ici? Ah! Oh! Est-ce que ça fait quelque chose si on va dans la lumière ou pas? Non, d'accord, ok. Là, on a un levier. D'accord, ça fait bouger un anneau. Là, ça en fait en bouger un... what? Attendez. Là, il y a un bouton. Ah! Attendez. Ça c'était le gros socle. Ça, c'est cet anneau-là. Mais ça en fait bouger deux. Ah d'accord, il faut qu'on... ok d'accord, faut qu'on illumine les yeux. Et celui-là c'est quoi? C'est quel anneau celui... mais c'est... non, c'est... non, c'est pas possible. Parce que si on bouge celui-là... Ça en fait bouger deux. On est d'accord? Ok. Ah si, attendez, je crois avoir compris. C'est tout con en fait. Ah voilà, et ça normalement... est-ce qu'on va avoir une statuette? C'est tout? Ça a rien fait? Mais... si, ça fait quelque chose? C'est quoi ça? Oh, d'accord, ça. Oh, ça par contre, ça va être pratique. Si on a besoin de monter des trucs. Mais par contre, ça active quoi? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment entendu aucun son. Il n'y a rien du tout qui s'est activé. Est-ce que on a oublié quelque chose? Bah non, on a les trois. Est-ce que ça fait quelque chose si on se raccroche à ça? Non, on peut pas. J'ai vraiment appuyé sans faire exprès par contre là. Mais... est-ce que... non, parce que, attendez, je vois un œil à droite, là, juste là, qui est ouvert lui aussi. Est-ce que on n'a pas une lumière à lui mettre dans la tête? Si on bouge tout, ça fait quoi? Ok. Ah mais non, il y a que trois loupiottes, on est d'accord? D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si simple que ça. Ou alors... oh! D'accord, bah c'est bien ce qu'il me semblait. Je pensais pas en fait que notre lumière de lampe... oh, par contre c'est vachement sombre. Ah, et c'est vachement glauque aussi. What? Mais il leur manque des têtes? Mais c'est que... oh non. Oh, 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 oh. Oh putain, j'ai cru que c'était la vraie. Okay, c'est une statuette. Très bien.
C'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est que je vais éviter de m'attarder sur ces trucs-là. What, c'est quoi ça? Ok, des tableaux avec des têtes cheloues. Bah alors, vraiment très chelou, quoi. Hein. Mais, par contre, attendez, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Ah, y a que les statuettes de son effigie qui ont encore les têtes, mais les autres n'ont plus de tête. Je pense qu'elle a un problème... Je sais pas, un problème contre les gens... Oh! What? Attendez. Ah, c'est quoi ça? Mais ils ont de ces têtes. Par contre, c'est des boutons qu'ils ont en dessous, là? C'est quoi ça? Oh! Ah, d'accord, ok. Mais il faut faire quoi? Faut tous les allumer? Ils ont vraiment des têtes. Ok. Et vous savez, on n'est pas obligé de les allumer, hein. J'ai déjà une lampe torche, c'est déjà suffisant. What? Pourquoi tout s'est éteint? Ok. Il va falloir essayer de réfléchir. Mais le truc, je comprends pas, c'est que là, il y a des tableaux. Mais attendez, là celui-là qui est pile au milieu, c'est le gosse qu'on vient d'allumer en premier, ça? What? Mais attendez, il y a des tableaux qu'on a sur le côté, là. Attendez, on va aller checker ça. C'est bizarre parce que on en a allumé 4. Lui, je l'ai allumé tout à l'heure. Il a fonctionné. Lui, je l'ai allumé tout à l'heure. Il a fonctionné. Et ces deux-là, je suis sûr de les avoir vus sur le côté. Est-ce que... Ah, lui avec son grand pif, on l'a vu. On l'a allumé tout à l'heure. Lui, on l'a allumé tout à l'heure aussi. Ah, lui. Lui, on l'a pas allumé, mais je sais qu'il est de l'autre côté. Donc, il y a forcément quelque chose. En rapport... Ouais, mais là... Je sais pas pourquoi, je sens que je vais appuyer sur un autre. Ça va pas marcher. Alors tout à l'heure on appuie sur ce petit garçon là, ça n'a pas fonctionné. On va essayer sur celui-là. Oh! J'ai pas compris. En fait j'ai appuyé sur ceux qui étaient sur le côté à gauche. Ouais, je sais pas. En fait je pense que peut-être que les autres qui sont éteints. What, c'est quoi ce bordel? Oh non, ça sent mauvais. Ok. Alors bonne nouvelle, on a trouvé la deuxième statue. Mauvaise nouvelle, ça sent mauvais. J'aime pas ce jeu. Oh, j'aime pas ce genre de salle parce que on l'a eu plusieurs fois. Oh, c'est quoi ça, un radis? Je peux le manger? On fait des squats? Non. On dirait que je peux rien faire dessus. Ah, mais si, mais je comprends pas. Tout à l'heure, c'était bien la même bouteille qu'on avait vue en collectable. Ou alors fallait l'ouvrir et pas la casser. Bon, bah, je suis désolé, il y a qu'un seul radis pour vous, mesdames. Hop. Ah bah tant pis, vous le mangerez par terre, écoutez. Bon, alors... Oh, attendez, il y a quelque chose là. C'est quoi ça? Je vois pas très bien. On dirait une feuille, mais avec quoi? De l'encre? J'arrive pas à voir. Bon, de toute façon, on peut pas le récupérer. Bon, par contre, vous le sentez, là. On va récupérer ça, et ça va nous poser problème. Parce que quand il y a un œil comme ça, avec une salle comme ça, c'est jamais très bon. C'est bien ce qui me semblait. J'aime pas ce genre de salle. Alors, faut qu'on aille de l'autre côté. Allez, vas-y, cours. Ah, non. Ok. Et une autre statuette sur le côté. Allez, cours. Ok. Bon, en fin de compte, ça avait pas l'air... Oh, si. J'avais pas vu. La porte, elle est fermée. La porte est totalement fermée. Est-ce qu'il faut balancer la... Non. Est-ce qu'il faut balancer la... Vas-y, balance-la. Non, je ne veux pas. Allez.
Récupère-la, et casse-toi. Ouh, ok, c'est bon. D'accord. Bon, bonne nouvelle, on a récupéré... Oh, je viens d'avoir des frissons, les amis. Vous avez... Alors, pour ceux qui veulent, remettez en arrière. Mais là, juste là, il y avait quelqu'un là. Je vous jure, la vie de je sais pas qui, qu'il y avait quelqu'un ici. Ah, oh, j'ai eu des frissons. Il y avait une ombre. Oh, j'étais tellement content d'avoir récupéré... Oh, si, il y a quelqu'un. Ah, oh, j'ai des frissons à chaque fois qu'ici... C'est qui? Vas-y, cours. Ah, mais si vous voyez, il y a des têtes. Il y a quelqu'un qui court. Ah, j'ai des frissons partout, j'aime pas ça. Vite. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est... Eh, sincèrement, j'en ai fait des épisodes hein, sur ce jeu. Hein. Mais alors, c'est la première fois, je vous jure, que j'ai des frissons comme ça. Ah, je m'attendais tellement pas, le changement de sensation que j'ai eu. J'étais tellement content d'avoir récupéré la deuxième statuette. Et là, j'ai croisé... Oh, mon Dieu. Bon, on a réussi à récupérer la deuxième. Ok, il va falloir essayer maintenant de récupérer la troisième. Oh, mais... Eh, j'ai pas rêvé, là. J'aime pas ça du tout. Bon, est-ce qu'on a du coup récupéré tout? C'est bon? Il nous manque plus que la troisième statuette. Mais alors, déjà, je pense que à cet étage-là, on a tout fait. En haut, on a tout fait. C'est bloqué. Ah, mais attendez, il y a la clé. Il y a la fameuse... Ah ouais, mais non, il y a la meuf. La clé était à côté de la meuf. Non, comment on va faire pour la récupérer? Alors, si en plus, il y a la meuf, en plus de ça, il y a des ombres. What, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, la clé est là. Vas-y, monte. Oh, mais c'est quoi ces trucs? Oh, j'aime pas ça. Je dé... Wow, mais c'est TP en plus? Allez, va chercher. Comment je peux faire là? Ils sont en train de m'attendre en bas là. Je peux pas les éclairer comme ça? Venez dans la lumière. Oh, j'aime pas. Attention. Wow. Non, je suis... Non! Mais what? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Ils ont des apparences d'enfants? Mais, oh, bah oui, utilisé pour viser avec la lampe torche. Non, sans deck. J'avais pas compris qu'il fallait que je vise. Oh, par contre, au joystick, c'est infâme. Sérieusement, c'est infâme. Ok, d'accord. C'est vraiment infâme au joystick. Ah... Ok, il s'est caché derrière le meuble. Ok. Alors, je sais que là, il y en a un autre qui va arriver par là. Faut qu'on le tue. Derrière moi! Non! Je vais essayer un truc. Je vais essayer d'allumer la lumière ici. Essayer de possiblement allumer la lumière là. Et puis, je vais essayer de les faille dans un plus grand espace. Mais le truc, c'est qu'ils se TP, en fait. Genre, ils te foncent dessus. Et si t'es touché, t'es foutu. Mais alors, je sais pas comment je peux essayer de les esquiver. Et j'avoue que la maniabilité de la lampe torche est pas facile. Bon, le premier est assez facile à avoir. Enfin, assez facile, c'est vite dit. Là, on a un second là, juste là. Mais non, mais... La maniabilité de cette lampe torche, les amis, elle me rend fou. Ok, j'en ai eu un. Le deuxième. Enfin, le troisième plutôt. Meurs. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Ouh. Oh, je suis mort je sais pas combien de fois, les amis. Heureusement que j'ai pas mis de compteur de mort. Allez. Faut que j'aille jusqu'en haut. J'espère que je vais pas en croiser d'autres. Non, ils ont éteint. Ok. Oh, il y en avait un là en plus. Vite. Faut que j'aille. Faut que je cours. Ah, ils me foutent des frissons, j'aime pas ça. Oh. J'ai des frissons à chaque fois que je les vois passer.
Vite, 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 prends l'ascenseur, prends l'ascenseur. Ok. Il y a de la lumière en haut. Ah, oh, j'ai des frissons partout, j'aime pas ça. C'est la première fois qu'un jeu comme ça me fout des frissons. Mais c'est bizarre en plus, parce que c'est que des ombres. Mais le truc, c'est que quand tu sais ce qu'ils te font... Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. On va laisser la fin du jeu et le troisième trophée, pour la seconde partie. On ouvrira cette fameuse porte, on verra ce qu'il y a derrière. Là, on va se faire une petite pause, parce que je vous avoue que ces fameux... Je sais pas ce que c'est. C'est des espèces de monstres, mais enfants, avec des espèces de masques blancs. C'est très bizarre. Enfin, même pas... On a l'impression qu'ils ont pas un corps matériel, en fait. Parce que quand on les illumine, ils partent en cendres, et en fait, il reste que le masque qui est cassé en plusieurs morceaux. Donc, je sais pas. Dites-moi vos avis dans les commentaires sur ce fameux DLC. Je trouve que c'est le meilleur, entre guillemets. Enfin, en tout cas, niveau sensation. Donc, écoutez, je vous dis... Moi, à la prochaine pour la seconde partie, je vais la tourner juste après, mais vous, ça sera d'ici quelques jours. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, ça donne de la force. Et je vous dis à la prochaine pour la seconde partie. Bye.